fashion lover and cinema lover. This is the exhibition which is made for you. Jean Paul Gaultier gathered together all the best costumes from the main cinemas which inspired him during the career. It is called CINEMODE. And now follow me, I will show you the most interesting pieces. J'ai eu de la chance parce qu'on rencontre Mathieu, qui est un décorateur qui a travaillé avec Florence et Jean-Paul sur la création de cette exposition. Bonjour Mathieu, merci de nous accueillir. Je suis co-commissaire de cette exposition CINEMODE par Jean-Paul Gaultier, qui se tient à la Cinémathèque française du 6 octobre au 16 janvier 2022. Alors combien de temps a fallu pour préparer cette expo ? Il a fallu 2 ans de travail assez régulier avec Jean-Paul Gaultier, qui a été extrêmement généreux et qui a comme ça conçu petit à petit ce projet. Au départ, il ne savait pas très bien comment il allait raconter cette histoire qui est tellement complexe et tellement riche du cinéma et de la mode. Et puis petit à petit, en discutant, on est arrivé sur des films cultes, sur des costumes importants pour lui et comment raconter ça de manière fluide pour le visiteur. Très vite, il est apparu qu'il fallait entrer par Falbalas, qui était le film qui lui a donné envie de devenir couturier, de devenir costumier. Donc c'est quelque chose qui était évidemment très important et on a commencé par cette salle un petit peu onirique, vaporeuse. On rentre dans un rêve et en rentrant dans le rêve, on rentre un petit peu dans l'esprit, dans la tête de Jean-Paul Gaultier pour ensuite dérouler sa vision de la mode et du cinéma. Bah, on voulait être le plus fidèle à Jean-Paul Gaultier et c'est ça qui était, je crois, la difficulté. C'était quelque chose qui soit absolument pas anonyme, pas raconter simplement une histoire avec des grands thèmes de la mode et du cinéma, mais vraiment avoir une vision très personnelle, très intime de ce rapport qu'il pouvait nous apporter. Donc on commence par Falbalas, après il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus sur les grandes icônes du cinéma, masculines et féminines, au début très séparées, très codifiées, qui vont être extrêmement bouleversées dans la partie 3, qui est la partie sur la transgression des codes et des genres, parce qu'il a beaucoup été à Londres pour s'être influencé par des opéras, par des spectacles, par des revues de mode, par Malcolm McLaren, par beaucoup de gens qui étaient importants pour lui. Il y a une quatrième partie autour du thème du métal, qui est un thème qui lui tenait vraiment à cœur, raconter cette histoire de cette matière, en commençant par les armures de Jeanne d'Arc et pour finir par les années 60, où il y a eu toute cette mode de vêtements importables, par exemple les 12 robes qu'avait créé Paco Rabanne en 1966 et qu'on retrouve dans Barbarella. Une dernière partie, défilé, la cinquième partie de l'expo, et qui est donc une sorte d'apothéose sur comment le cinéma a représenté la mode et représenté les défilés de mode. Et ça, c'était quelque chose qui était, à mon avis, la meilleure manière de finir un petit peu en feu d'artifice et de revenir vers un thème beaucoup plus sur celui de la mode et du cinéma, quelque part, de revenir à cette première partie qui était sur Falbalas et donc de revenir à un thème vraiment très central, parce qu'on part dans beaucoup de directions, mais il y a une sorte de boucle qui se boucle à la fin, on revient vers vraiment la mode représentée par le cinéma, et c'est l'occasion de montrer des extraits de prêt-à-porter, par exemple de Robert Altman, de Woman, de Quecor, de Yves Saint Laurent, de Bertrand Bonello par exemple. Donc voilà, après en termes de nombre de costumes, on en a une 60aine avec une 20aine qui viennent des collections de la Cinémathèque et ensuite des collections pour les autres costumes qui sont soit des archives de Jean-Paul Gaultier, soit de grandes maisons de couture, Repetto, Dior, Alaïa, Chanel, soit des collectionneurs privés ou des institutions muséographiques qui ont maintenant de plus en plus de costumes dans leur collection et qui nous les ont prêtés. Donc c'est un alliage totalement original parce que c'est pas un seul fond, c'est beaucoup de provenance et donc c'est l'unique manière de voir réunis tous ces beaux costumes et qui sont à la fois de Audrey Byrne à Superman, de Marilyn Monroe à Catherine Deneuve, en passant par tout un tas de films un peu moins connus, mais qui lui tenaient évidemment beaucoup à cœur parce que c'est ça la diversité et l'hétérogénéité du cinéma de Jean-Paul Gaultier. C'est à la fois des icônes, des classiques et aussi des pépites plus rares, plus underground, plus difficiles à voir et l'exposition c'est l'occasion de les montrer tous ensemble. Et votre pièce préférée, si c'est pas très difficile d'en choisir une ? C'est difficile d'en choisir une préférée. J'ai beaucoup aimé le costume de Orlando qui est porté par Tilda Swinton, qui est un costume extrêmement beau. Et ce costume est un peu à l'image de toute l'expo, je trouve, ce noir brillant. Tilda Swinton, dont on sait que c'est aussi une grande égérie de la mode. Et donc je pense que c'est une expo qui parle absolument à tout le monde. Tout le monde a vu Superman, tout le monde a vu James Bond, tout le monde connaît Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, qu'on soit du monde de la mode, du monde du cinéma ou d'aucun monde, et simplement un simple curieux. Et donc c'est vraiment une manière d'orchestrer toutes ces icônes ensemble avec son goût et je pense que ça évidemment ça touche à tout le monde. C'est vrai que ceux qui sont du milieu de la mode, c'est l'occasion de voir de près des costumes, de peut-être rentrer en détail avec l'œil qu'ils ont,
de la fabrication des tissus, de la manière dont le mannequin peut le porter. Évidemment, c'est un mannequin qui est immobile, c'est pas un corps humain. Il a dit à quel point Jean-Paul Gaultier, l'attitude, le mouvement était important. Là, on n'a pas le mouvement. Le mouvement, il est que dans les extraits de films. Mais je pense que pour des gens qui sont spécialistes de mode ou qui ont un goût pour la mode, c'est l'occasion de pouvoir voir dans le détail ces costumes qu'on voit souvent à l'écran mais qu'on n'a pas l'occasion de voir en vrai. Avec le Covid par exemple, les défilés ayant été annulés, ils ont été remplacés par des films et que tout d'un coup il y a eu des grands cinéastes, des grandes pointures qui ont réalisé des films pour remplacer les défilés et que jamais, plus que jamais, il y avait eu ce mélange, ce lien entre cinéma et mode. C'est que si j'ai fait de la mode, c'est parce que j'ai vu un film qui m'a donné envie de faire de la mode. C'est ça l'histoire de base.